Vous regardez RTL. Nous sommes mercredi, bonjour Laurent Gérard. Mais bonjour Yves Calvi. Bonjour mademoiselle Diane. Bonjour monsieur Calvi. Magnifique. La récente tournée de Donald Trump en Asie a confirmé l'importance croissante de la Chine dans la marche du monde. Qu'en pense le meilleur ami de la Chine, l'ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin ? Bonjour madame, bonjour mademoiselle et bonjour monsieur. Je vous rappelle, chers consoeurs de la matinale, que je suis désormais éditorialiste. Et en tant que meilleur sinologue français, je suis ravi de vous éclairer ce matin sur l'Empire du Milieu. Alors, on vous en remercie. Que faut-il penser de la déclaration de Xi Jinping qui a affirmé... Non, tin tin ta so tin mang. Ni mang ki chu chu chong dona chum. Ah, sacré Xi Jinping. Il a toujours le mot pour rire. Mais voyez-vous, en tant qu'ancien ministre, premier ministre, j'ai un devoir de réserve. Je ne veux pas, hélas, commenter cette déclaration de mon ami Xi. Car, comme le disait Marcel Confucius, quand le sage te montre la lune, ne regarde pas la femme à poil au fond du verre de saké de ton voisin. Ah oui, c'est très profond, en effet. Alors, dans un tout autre domaine, à propos des importations de vin français, le président chinois Xi Jinping a déclaré, je cite, « Qi kei bang chong, ni ki chong chong chao. » Que lui répondez-vous, Jean-Pierre Raffarin ? Zhu Hong. Zhu Hong, c'est-à-dire ? En mandarin, ça veut dire que l'amitié franco-chinoise qui nous unit est aussi compacte qu'un bol de riz gluant avec supplément légumes sautés, car entre nos deux pays, il y a moins que l'épaisseur d'une feuille de E27. Une feuille de E27 ? De quoi s'agit-il, Jean-Pierre Raffarin ? E27, ce sont les nems que l'on sert à la cité interdite. Ah bon, on sert des nems à la cité interdite de Pékin ? Non, de Poitiers. Fumier ! Ah tiens, Gérard Depardieu, qu'est-ce qui vous arrive encore ? Ben quoi ? Tu lis pas les journaux ? Le prix du tabac a encore augmenté. En effet, une nouvelle hausse de 30 centimes le paquet qui s'inscrit dans la lutte du gouvernement contre le tabagisme. Lutte contre le tabagisme, mon cul ! Hein ? C'est encore une façon détournée de me piquer mon pognon ! Je n'en donne pas assez du pognon ? Mais qu'est-ce qu'ils en font de tout ce pognon, hein ? Des pisciclables ? Fumier ! Tout de même, Gérard, le tabac est mauvais pour la santé. Mais non, c'est un mensonge des médecins. Ah. Si tu les écoutes, tout ce qui est bon est mauvais pour la santé. Le tabac, le vin, la cochonnerie. Sauf que moi, je les vois, les gens qui fument pas, qui boivent pas et qui mangent pas. Ils sont tout tristes, tout cireux, tout fanés. Ils ont la tronche d'Edoui Plenel. Oh bah non. Oh bah si. Oh, hein, oh, il est triste ce gars-là. Oh, il meurt peut-être plus vieux, mais si c'est pour mourir d'ennui, ça m'intéresse pas. Oui, mais quand même, Gérard, vous pourriez penser un peu à vos poumons. Quoi, mes poumons ? Un poumon, c'est comme un cochon de lait. Si c'est rose, c'est pas beau. Faut que ce soit bien cuit, bien doré, que ça forme une croûte autour. Non. C'est comme le foie. Faut le faire mariner dans l'alcool, sinon ça a pas de goût. Je crois que vous êtes en train de confondre médecine et cuisine, là, Gérard. Mais c'est la même chose. Regardez, monsieur Calvi. Hein, oui. Hein, c'est pas le genre vegan et sans gluten. Hein. Ça, c'est un homme en bonne santé. Il aime le fromage. Il aime le fromage. C'est le roi de la fondue, monsieur Calvi. Il fait pas pitié, il est tout beau. Il a un joli teint, l'œil qui pétille comme une coupe de champagne. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il se fait plaisir, mon Dieu ! Et ça, c'est la meilleure des médecines. Alors laissez-nous vivre, fumier ! En novembre dernier, la célébration de notre 2500e chronique en public et au grand studio RTL avait suscité des vocations, et notamment chez nos amis les Deschiens, représentés ce matin-là par François Morel, mais le vrai. Qu'un Scott qui n'en veut, pour les jeunes qui n'en veulent des emplois. Aujourd'hui, un jeune qui n'en veut un emploi, puisque c'est mon gars Bruno Locher. Bonjour Bruno, comment t'appelles-tu ? Bruno, hein, comme Bruno dans la radio, et Locher, comme un Locher. Comme Locher, voilà. Alors, mon gars Bruno, ce matin, tu veux profiter d'être sur l'antenne à Monsieur Calvi, hein, c'est pour n'importe qui, Monsieur Calvi, pour faire acte de candidature. Je dirais même de candidature spontanée. Hein. C'est bien ça, mon gars Bruno. Bah oui, c'est ça, parce que je voudrais travailler à RTL. Oh là là, tu vas te faire embaucher à RTL. C'est pas pareil, ça. Ben, dis donc, on peut dire que tu es bien tombé. Alors, quelles sont tes motivations, si on peut savoir, mon Bruno, sans indiscrétion, pour travailler à RTL? Comment c'est le générique d'RTL? Attends.
d'abord, hein, c'est la longévité. Oui. Ah, j'ai vu qu'à RTL, ils avaient des emplois stables. Hein. Des contrats à durée interminable. Avec une certaine longévité dans le temps. Hein, monsieur Bouvard, là, il est toujours à l'antenne depuis le 18e siècle. Hein. Il y a aussi l'imitateur, celui qui cause avec les voix des autres. Comment il s'appelle déjà Laurent Gérard. Roland Gérald. Hein, excuse-moi de te corriger, mon Bruno, mais c'est important. Roland Gérald, tous les matins, 9h45, avec Mademoiselle Jeanne. Tout à fait. Ouais, puis j'en fais 2500 chroniques. Oh là là. Ah ben, ça en fait beaucoup des chroniques, hein. On a le temps de voir venir. 2500 chroniques, c'est vrai que c'est beaucoup de nos jours où tout va vite, hein. Les trains, les ascenseurs, les micro-ondes, les dates de péremption, les présidents. 2500 chroniques, ça fait un paquet, hein, mon Bruno. Hein. Ah, et puis je peux en faire, moi, des imitations comme Roland Gérard. Hein. Non, je peux faire Jean Marché. Ah, scandale. Oh, ça va, scandale. Liliane, fais des valises. C'est incroyable. Vous voyez, Georges Marché, c'est incroyable. On voit que t'as bien travaillé, t'as réfléchi là-dedans. Mais, tiens, j'ai une question à te poser, mon Bruno. Oui. Pourquoi que tu candidaterais pas à France Inter, hein? Est-ce que tu y as pensé, mon Bruno? Ils en cherchent des animateurs brillants. Ben, c'est vrai qu'à France Inter, ils ont plus de vacances à cause des grèves, puis tout ça, mais... À RTL, on peut gagner la valise à Zapimax. La valise, il perd pas le nord, mon gars Bruno. Et puis, quand t'as un problème, il y a Ménie Grégoire qui t'écoute. Il paraît qu'elle va pas bien en ce moment. Oh. J'aime mieux prévenir, elle est pas à son mieux. Elle te donne des conseils, puis ils disent tout le temps que les routiers, ils sont sympas. Et mon cousin par alliance, il est routier, alors... Forcément, ça me motive. Voilà, s'il y a un directeur des programmes ou même une SAP DRH à RTL qui est intéressé par mon gars Bruno Lechet pour un contrat de très, très, très longue durée, c'est important, la longévité. T'as un peu 3615, code qui n'en veut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hein? Non, ça vous dit rien? Non, là, je vais pas. Denis Fabre, non? Ah non, c'est Giscard Léon qui s'en va de sa chaise en 81. Ah oui, d'accord. Ça, oui, ça vous revient. Voilà. Quand tu donnes dans ton panier des belles voix, quand tu donnes dans ton panier des belles voix pour RTL. Wow! Alors. Eh bien, dites-moi, que d'animation. Alors, rediffusion avec Bénédicte Tassard et Stéphane Carpentier dans RTL Midi. Il sera 13h50 parce qu'ils sont très ponctuels, vous savez, ces gens-là. Et puis sur le site rtl.fr, à demain, Laurent. Rendez-vous demain. Cher Jade, à demain. À demain, avec plaisir.